peuple, je vais traiter. C'est la fin qui compte. Dis à quelqu'un, c'est la fin qui compte. Luc 1, à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Je veux que vous écoutez bien. Tu as dit quoi? Allons-y, lis ça du bien. Temps d'Hérode, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ça ne vous choque pas? Ils sont justes devant Dieu et puis ils ont un problème de stérilité. Ah. Allons-y. Observant d'une manière irréprochable. Continue. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Observant d'une manière irréprochable. Ça veut dire qu'ils observaient tellement la parole de Dieu qu'on n'avait rien à leur reprocher. Allons-y. Ils n'avaient point d'enfants. Ils n'avaient point d'enfants. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu. Dis avec moi, oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Allons-y. Selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce. D'après la règle du sacerdoce. Sacerdoce qui veut dire service. Allons-y. À entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Continue. Toute la multitude du peuple était dehors. Toute la multitude du peuple était dehors. À l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur parut à Zacharie. Oh, le Dieu des parfums. Allons-y. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Continue. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Continue. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Ne crains point. Zacharie. Zacharie. Car ta prière, a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Continue. Et tu lui donneras le nom de Jean. Continue. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de ça. Naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Continue. Il ne boira ni vin, continue, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Continue. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler qu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru en mes paroles. Continue. Qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Ah, allons-y. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Et il leur faisait des signes, il y resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Amen. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. En un mot pour dire quoi? Tu ne peux jamais devenir ce que tu n'as pas accepté. Donc je veux que ce matin, tu sois le premier prophète de ta vie. Dis avec moi, c'est la fin qui compte. Touche ton voisin, dis-lui, c'est la fin qui compte. Bien aimé, c'est ce qui sort de ta bouche qui va influencer ta vie. La
parole de ton voisin ne peut pas t'influencer. La parole de ton voisin ne peut pas changer ta vie. Mais c'est ce qui sort de ta bouche qui va impacter ton environnement, qui va impacter ta vie. Dis encore avec moi, c'est la fin qui compte. Dis avec moi, je suis né pour régner. Dis avec moi, je suis né pour briller. Dis, je suis né pour avancer. Dis, je suis né pour impacter ma génération. Dis, je suis le meilleur de ma famille. Dis, je suis l'étoile de ma famille. Dis, je suis l'étoile de ma génération. Dis, je suis né pour triompher. Dis encore, je suis né pour triompher. Je suis né pour avancer. Je suis né pour enterrer ce matin tous ceux qui avait écrit ou qui avait des projets de t'enterrer. Tu partiras toi-même à les funérailles et tu vas les enterrer au nom de Jésus. Ah non, si moi j'étais à ta place, je dis, le problème qui a décidé de t'enterrer, la maladie qui a décidé de t'enterrer, la souffrance qui a décidé de t'enterrer, la pauvreté qui a décidé de t'emporter, la solitude qui a décidé de t'emporter, je dis, tu vas assister à ces funérailles et tu vas enterrer les problèmes, tu vas enterrer les sorciers de ta famille. Si j'étais à ta place, je dis amen. Je commence à les enterrer au nom de Jésus. Qui a dit amen reçoit son miracle. Bien aimé, je dis ce matin, c'est la fin qui compte. Voici un homme. La Bible parle de Zacharie. Zacharie qui était un grand sacrificateur. Zacharie qui avait atteint un stade où il est devenu enseignant. C'est là qu'il a commencé à former des personnes pour que ces personnes aussi deviennent sacrificateurs. Vous savez, selon l'écriture, selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse, le temple de Dieu dans les temps anciens était divisé en trois parties. Il y avait le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Quand le peuple était impur, quand ils viennent, ils sont où? Dans les parvis. Parce que tant que tu n'es pas purifié, tu ne peux pas avoir accès au lieu saint. Mais le lieu très saint, ce n'est pas pour le peuple. Le lieu très saint, c'est pour les sacrificateurs. Donc le temple de Dieu était divisé en trois parties. Ceux qui avaient accès au parvis, c'était le peuple impur. Mais ceux qui avaient accès au lieu très saint, c'était les sacrificateurs. Mais la Bible dit, cet homme appelé Zacharie appartenait à la classe d'Abia. Quiconque parle de la classe d'Abia parle de la huitième classe. Donc Zacharie avait atteint un niveau où il était devenu vieux. Donc dans sa vieillesse, il avait commencé à enseigner des personnes. Mais la Bible dit, au moment où il s'acquittait de ses fonctions, c'est là le sort maintenant va tomber sur lui. Que Dieu maintenant l'a choisi d'entrer dans le lieu très saint. Chose bizarre, quand Zacharie était jeune, où il avait toute sa force, où il avait toute sa vigueur, le sort n'est pas tombé sur lui. Mais la Bible dit, où il devait, où il s'apprêtait à prendre sa retraite pour aller se reposer, le sort tombe sur lui et le Dieu met son choix sur lui pour lui que Zacharie, l'heure est arrivée où tu dois maintenant entrer dans le lieu très saint. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'agit pas quand tu es fort. Dieu n'agit pas quand tu as des relations. Dieu n'agit pas quand tu comptes sur quelqu'un. Dieu n'agit pas quand tu comptes sur tes propres forces. Mais Dieu agit quand tout semble fermé, quand tu es abandonné, quand tu es méprisé, quand tu es rejeté. C'est là la main de Dieu descend. Et Dieu te dit ceci, me voici, je te tends la main, je suis venu pour te faire sortir de tes problèmes. L'écriture explique ceci. Zacharie, dans sa vieillesse, le sort va tomber sur lui. Au moment où Dieu attendait Zacharie, Dieu n'a pas agi. Mais Dieu agit où il est fatigué. C'est pourquoi j'aime la parole qui dit dans le livre d'Ésaïe, ce n'est pas par nos propres forces que nous avançons, mais nous avançons par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par la propre puissance que nous avançons, mais nous avançons selon la puissance de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ton évolution ne dépend pas de ton niveau spirituel. Ton évolution ne dépend pas de tes propres relations, mais ton évolution, ton avancée, ta baissée dépend du décret divin. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas si tu es fatigué, mais tu peux être fatigué, mais Dieu a décidé de restaurer ta vie. Dieu a décidé de t'amener de
de l'avant. Dieu a décidé de te restaurer. Dieu a décidé de t'établir. Mais la Bible dit, cet homme appelé Zacharie, à sa fin de ses fonctions, Dieu dit, Zacharie, je t'ai choisi. Tu dois maintenant entrer dans le lieu très saint. Écoutez-moi bien. Quand le sacrificateur entre dans le lieu très saint, il devient comme un prophète. Il va dans le lieu très saint pour recevoir un message de la part de Dieu pour donner à qui? Au peuple qui l'attend où? Dans les parvis. Les autres sacrificateurs, quand ils rentraient, quand ils ressortaient, Dieu leur donnait un message pour qui? Pour le peuple. Cette fois-ci, quand Zacharie rentre, Dieu ne lui donne pas un message pour le peuple, mais Dieu lui donne un message pour lui-même. Je ne sais pas, tu as prié pendant des années pour des gens, mais cette année, Dieu a décidé de répondre à tes besoins. Dieu a décidé de t'exaucer. Il a dit, le Dieu des Hébreux, le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu de la prophétie a décidé de t'exaucer. Dieu a prié pour ta famille, tu as prié pour ton père, tu as prié pour ta soeur, mais cette année, c'est ton année d'exaucement. Cette année, c'est ton année d'exaucement. Cette année, c'est ton année d'exaucement. J'ai dit, si j'étais à ta place, j'allais dire que l'Éternel a décidé de m'exaucer. Le peuple, the people, attendait Zacharie, was waiting for Zacharia. Dans les parvis. In the parvis. Zacharie entre. He entered dans le lieu très saint. The holy of holies. Mais ce qui m'a marqué. What shocked me? La Bible dit. The Bible says. Il offre un parfum à Dieu. He gave him an incense to the Lord. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un le Dieu des parfums. Say the God of burning incense. Dis à quelqu'un le Dieu des parfums. The God of burning incense. Non, tout ce qu'il faut lui dire le Dieu des parfums. The God of burning incense. Souvent on se dit. Sometimes you say. Il y a des actes que nous posons dans la maison de Dieu. There are some actions you do in the house of the Lord. Moi je n'ai rien. Me, I have nothing. Ce que j'ai donné là. What I gave. Est-ce que Dieu peut voir ça pour mes oreilles? Will God see me and hear me? Dieu n'exauce pas celui qui donne beaucoup. God doesn't hear what will God want. Dieu exauce celui qui donne ce qu'il a. What he gave, what he has. Non, tu m'as pas compris. Non, tu m'as pas compris. Pousse. Non, tu m'as pas compris. He didn't say me. J'ai dit ceci. I said, Dieu n'exauce pas. God doesn't hear. Celui qui donne beaucoup. The one who give much. Mais Dieu exauce. But God hears. Celui qui. The one who give what. Tout ce qu'il a. Yes. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Quelqu'un peut avoir 100 millions. Somebody can have 100 million. Et l'autre peut avoir 5 euros seulement sur lui. Only 5 euros. Et celui qui a 100 millions donne 50 millions. Give 5 millions. Et celui qui a 5 euros donne les 5 euros qu'il a. Quand Dieu exauce, il exauce qui? When God hear, hear what? Il exauce qui? The one who gave. Pourquoi il exauce 5 euros? Why? Parce que 5 euros a donné tout ce qu'il a. He gave voilà pourquoi la Bible dit. That's what the Bible quand said. Les gens étaient en train de donner, il y a une it. Femme qui avait donné un cycle d'argent. Jésus dit que c'est elle qui a le plus donné que les autres. He gave more than. Pas parce qu'elle a donné plus, non. Not because he gave mais more. Elle a donné tout ce she qu'elle avait. Voilà pourquoi has. Tu peux être dans la présence that's de Dieu. Ça peut être 2 euros que seulement tu as. Ça peut être 5 euros que seulement tu as. N'aie pas honte de ce que tu as. Dieu viendra s'appuyer sur ce que tu as et il changera le cours de ton histoire. Voilà pourquoi je bénis Dieu. Le peuple qui suivait Jésus, arrivé à un certain niveau, ils ont commencé à avoir faim. Ils ont dit à Jésus, maître, nous avons faim. Mais Jésus, avant d'opérer le miracle, Jésus leur demande, combien de pain avez-vous? Dieu n'est pas magicien. Pour opérer le miracle, il s'appuie sur ce que tu as. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu s'appuie sur ce que you tu as. Je veux dire à quelqu'un. Toi qui es fidèle dans ta dîme, dans ta salle. Toi qui ne veux que donner ce que tu as. Après ce culte, tu ne vas pas retourner comme tu es venu. Je prophétise qu'il y ait des bonnes nouvelles sur ton compte. Je déclare qu'il y ait des virements divins. Je déclare qu'il y ait des virements divins. Je déclare qu'il y ait des virements divins. Si tu avais des dettes, l'Éternel efface. Si j'étais à ta place, j'allais dire, l'Éternel efface mes dettes ce matin. J'allais dire, l'Éternel efface. Fasse mes dettes ce matin. J'allais dire l'Éternel efface mes dettes ce matin. Il y a une dame un jour. A woman one day. Elle avait combien de dettes? She was à l'époque, on était à Val-de-Fontenay. La dame faisait du commerce devant l'église. We were making business. Un jour, elle est venue. One day she came. Papa, voici tout ce que j'ai vendu. Yeah, je suis venu poser un acte. Que ton Dieu ait compassion de moi. J'ai la pression. Lucie est venue. Il veut tout saisir dans all ma maison. J'ai dit, mais ce que tu dois, c'est combien? Elle dit, papa, faut pas avoir mon offrande. J'ai honte. Ce que j'ai n'est pas assez. Parce que les dettes sont assez. J'ai dit, c'est ce que tu as. Avec ce
que tu as, le Dieu que je prie, va annuler tes dettes. Un jour, elle s'est mise devant l'assemblée. Elle est venue témoigner que Dieu a annulé ses dettes. Le même Dieu qui agit, qu'il annule tes dettes ce matin. Je dis à quelqu'un qu'il annule tes dettes ce matin. Je dis que Dieu annule tes dettes ce matin. Je dis à quelqu'un que Dieu annule tes dettes ce matin. Je dis que Dieu annule tes dettes ce matin. Tu étais interdit bancaire, mais je dis Dieu va rétablir l'ordre dans ta vie. Je dis à quelqu'un que tu étais interdit bancaire. Dieu va rétablir l'ordre dans ta vie. Tu n'arrivais plus à prendre des prêts à cause des dettes. J'ai dit, Dieu, maintenant, efface tes dettes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu te lèves, tu dis, je reçois ton miracle. Je reçois. L'Écriture explique ceci. L'Écriture explique. Zacharie. Zacharie. Quand il offre le parfum, when give a perfume, la Bible dit, il y a un ange qui descend. The angel came down. Oh, Dieu aime le parfum. God like a bad incense, you know? Il y a le peuple qui suit Dieu. There are people who follow et God. Il y a le peuple qui appartient à Dieu. And those who belong to God. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu aime le parfum. God like a bad incense. Quand dit à Jésus, when said to Jesus, ton ami Lazare, your friend Lazarus, il est malade. Hein? He's sick. Jésus dit, oh, Jesus said, mais si Lazare est malade, if Lazarus c'est sick, pour la gloire de Dieu. It's for the glory of the Lord. Ton ami qui est malade, your friend who is sick, et qui souffre dans son corps, qui n'est pas bien portant, Jésus ne coupe pas pour venir le guérir. Jésus dit que s'il est malade, c'est pourquoi? It's for the glory c'est pour of la gloire de Dieu. For the glory of vous the voyez, Lord. Il y a certaines personnes. There are some people, tu peux être dans une situation difficile. It can be a hard situation. Plus tu invoques Dieu, more you call God, plus la situation s'empire. Plus worse, tu invoques Dieu, more you call God, plus il n'y a plus d'issue où tu vas passer. No issue, mais plus tu l'invoques, more you quand call tout God, se complique, c'est parce que la gloire qui arrive sera une gloire compliquée, une gloire grande, une gloire magnifique, une gloire extraordinaire. J'annonce à quelqu'un que tu auras un miracle compliqué. J'annonce à quelqu'un que ton élévation sera compliquée. J'annonce à quelqu'un tu auras une percée compliquée. Plus tu pries, plus c'est compliqué. Jésus prend son temps. Quand Jésus arrive, on dit Lazare, il est mort. He's dead. Quel est cet homme dans la Bible? Sa mort même a dépassé la mort, le nombre de jours de la mort de son sauveur. Parce que Jésus, ce troisième jour, il est ressuscité. Mais Lazare, il a fait quatre jours. Quelle est l'alliance qui les liait? Non, je vais parler ce matin. J'ai dit, je vais parler ce matin. J'ai dit à quelqu'un, je vais parler ce matin. Jésus a fait combien de jours? Lazare a fait combien? 4 plus 3, ça fait combien? 3 et 4. 4 plus 3, ça fait combien? 4, est-ce que tu 3. Sais pourquoi Jésus ne s'est pas pressé pour venir ressusciter Lazare? Je vais donner un réma. La Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre, he n'est-ce pas? Had, le premier jour. Sixième jour, il crée quoi? L'homme. Man. Et le septième jour, il fait quoi? Il se repose. Jésus savait déjà l'addition. Il sait que 4 jours de Lazare, plus 3 jours, ça fait combien? 7. Le chiffre 7, c'est pas un chiffre satanique. Le chiffre 7 parle de la perfection. Ça parle du repos. Voilà pourquoi quand on dit Lazare est mort, il dit non, il dort. On dit Lazare est mort. Jésus dit non. Il dort. Parce qu'il savait que ça faisait le chiffre 7. Plus lui sa mort, plus la mort de Lazare. Quand il additionne, ça parle de la perfection. Où les gens pensent que tu es tombé. Jésus lui calcule les chiffres. Il arrive tard, mais il n'est jamais en retard. J'ai dit tu vas ressusciter. Ton travail va ressusciter. Tes finances vont ressusciter. Ton foyer va ressusciter. L'homme que tu avais perdu hier, je vois un homme meilleur qui est sur ton chemin. Ah! Si j'étais pour toi, j'allais te lever pour dire, je reçois mon miracle ce matin. L'Écriture explique ceci. Quand ils arrivent, when they arrive, le Dieu des parfums. The God of incense. Dis à quelqu'un le Dieu des parfums. The God of burning incense. Dès qu'il offre le parfum, when give a perfume, quand l'ange descend, when the angel came down, il dit Zacharie. C'est Zacharie. Ta prière. Your prayer. A été. I'll be heard. A été. I'll be heard. Non, tu n'as pas bien parlé. A été. Your prayer. A été. Exaucé. Je vais vous poser une question. I want to ask you a question. Quand Dieu parlait à Zacharie, when God was talking about dans Zacharie, le lieu très saint, in the holy place, qui était là? Who were there? Qui était là? Who were there? C'était Zacharie et l'ange. Only Zacharie and the angel. L'ange qui n'est pas un humain. The angel is not a human. L'ange qui est un esprit. Is a spirit. Qui a une divinité. He has a divinity. Vrai ou faux? Is it? Donc quand Dieu finit de parler when à Zacharie, when God finished talking, Zacharie lui commence à douter. Zacharie asking. Il demande à l'ange. He asks the angel. Mais comment cela? How this one se fera-t-il? Would happen. Voici le problème des chrétiens. Il y a le problème des chrétiens. Quand Dieu te dit, va t'élever. When God says, raise you up. Toi, tu regardes ton âge. When look at your age. Tu regardes l'âge de ton père. The age of your tu regardes l'histoire de ta mère. The story of your et father. Tu compares à ton histoire. And you compare to l'échec story. De ton père n'est pas the ton échec. Yes. L'échec de ta mère n'est pas ton échec. Même si ta mère a eu deux enfants et qu'après ces deux enfants, il n'a pas eu des enfants. Si toi, tu en as deux et qu'à ce stade, tu es bloqué, le Dieu des déblocages, je déclare qu'il va apparaître dans tes entrailles. Après les deux, tu feras trois. Yes. Après les trois, tu feras quatre. Yes. Après les quatre, tu feras cinq. Yes. Tu donneras naissance à des enfants jusqu'à ce que tu t'arrêtes. Yes. Il dit à Zacharie, c'est Zacharie ta femme Elisabeth, your wife Elizabeth, elle va te donner un enfant. She'll give birth to, comment? She'll give birth to, cela.
se fera-t-il? Ce qui nous retarde souvent, what delay you? C'est notre raisonnement. How we're thinking. Comment cela va se faire? How will it comment happen? Ça va se faire? How this one écoutez-moi happen? Bien. Listen to me. L'homme calcule. Man calculate. Mais Dieu est la calculatrice. But God is the calculator. Quand tu calcules, when you calculate, c'est pour trouver quoi? It will have le résultat. The answer. Mais quand toi tu calcules, but la calculatrice, elle fait quoi? The calculator. Elle connaît déjà le résultat. Donc ce que tu cherches là, Dieu a déjà la solution. Donc tu ne dois même pas t'inquiéter. Parce que chaque chose a son temps. Il dit ceci à Zacharie. Voici ce qui va me toucher. Quand il dit à Zacharie, ta femme Elisabeth va te donner un enfant. Il dit comment cela se fera. L'ange dit d'accord. Nine comme angels. Tu as douté, since you doubted, tu resteras comment? You will become dumb. Tu resteras comment? Shall become dumb. Tu resteras comment? You will become dumb. Tu dis le signe, je vais te donner. Tu vas rester comment? Will, tu vas rester muet. You will become dumb. Maintenant, now, ce qui va me choquer. What will shock pourquoi me? J'ai dit c'est la fin qui compte. That quand Zacharie sort well, Zacharie de la présence de Dieu, presence il ne sort pas comme les autres qui sont rentrés auparavant. Quand les autres entrent. Quand ils sortent, ils donnent en même temps les révélations, les prophéties au peuple qui les attend dans les parvis. Mais pour la première fois dans la Bible, pour la première fois dans les services, un papa, un grand-père du sacerdoce, un grand-père du service, quelqu'un qui est expérimenté, quand il sort, il perd la langue. Quand il sort, il perd l'usage de sa voix. Zacharie ne peut pas parler. Quand le peuple regarde, ils ne comprennent pas. Ceux qui savent, il a reçu un signe. Mais pourquoi il est sorti, il ne peut pas parler. Il commence à faire les gestes. C'est comme toi, tu as fait 5 ans dans l'église. Quand tu sors, tu vas à la maison. Tu ne peux pas parler. Tu te poses des questions. Il n'y a pas de témoignage. Les gens qui sont autour de toi se moquent de toi. Mais toi seul, tu sais ce que Dieu t'a dit dans le secret. Les gens peuvent dire, tu vas à l'église, tu perds ton temps. Mais toi seul sais ce que tu as reçu comme prophétie. Toi seul sais ce que Dieu te montre dans ton songe. Toi seul sais quand tu lis la Bible, ce que Dieu te dit. Tu t'en fous de ton entourage. Ton miracle ne dépend pas de ton entourage. Mais ton miracle dépend de l'alliance que tu as établie avec Dieu. Le plus souvent, most of the time, nous sommes influencés par les gens qui nous entourent. We are influenced by those who surround us. Écoute-moi bien. Listen to tu me. Peux trouver quelqu'un qui a fait 10 ans dans une église. You can find somebody who has spent 10 quand years tu le rencontres, when you meet him, sois béni. Be blessed. Tu vas bien? How are you? Je suis content de te voir. I'm glad to see you. Il peut faire 10 ans à l'église. Can be 10 years with church. Et rester immature. By no become mature. C'est pas parce qu'il a fait 5 ans. Not because he has stayed 5 ou 7 ans. 7 years. Ou 8 ans auprès du prophète. 8 years now near the prophet. Qu'il est mature. Hein? That is mature. It means he's mature. N'oubliez pas. Don't forget. Gehazi. Gehazi. Il a fait toute sa vie. All his life. Auprès d'Élisée. With Elijah. Mais il a fini voleur. By hand thief. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Le plus souvent. Most of the time. Il peut mettre des responsables. He can put 5 ans, 20 ans, 30 ans. 5 years, mais c'est pas parce qu'il a dit auprès du pasteur. Not because he has stayed long near the pastor. Que tout ce qu'il va te dire. Whatever is oh, je connais l'église là. I know the church. L'homme de Dieu, je le connais. The man of God, I know il peut faire 10 ans can be 10 years. D'expérience dans les critiques. Gossip. Et pas 10 ans d'expérience dans le monde spirituel. Ça, c'est un autre modèle de chrétien. Ils font 20 ans dans l'église. Mais les 20 ans, tout ce qu'il a pris, c'est moi a dit, toi a dit, celui-là a dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand il explique l'histoire de l'église, il commence par Alpha. Et il finit Oméga. Genèse. Genesis, Apocalypse. To Revelation. C'est pas parce que tu l'as trouvé dans l'église. Not because you finish, qu'il est plus spirituel que toi. That he's more spiritual ou il than a avancé you. Dans la spiritualité. He's grown up than you. Attention. Be careful. À l'église. In the church, tout le monde ne doit pas être ton ami. Not everyone will have to be your friend. À l'église. In the church, ta foi s'agrandit. Your faith grows en fonction de ton compagnon de route. The one you go with. Je parle à quelqu'un. I'm not talking to à l'église. In the church, on prend pas tout le monde pour marcher. Not with everyone. Parce que tu peux prendre quelqu'un comme ami. You can take somebody with a friend. Il peut retarder la prophétie que tu as reçue de Dieu. The prophecy you have received. J'ai vu des gens. I saw some people. Quand Élisée a dit, when Elijah said, demain, tomorrow, à 7 heures, by this time, le ciel va s'ouvrir. Heaven will be il open. Aura la nourriture. There shall be l'officier food and abundance. Sur lequel le roi s'appuyait. The officer il dit pareille chose. Something n'arrivera pas. Never happened. Dans l'église, il y a des gens comme ça. L'homme de Dieu peut dire quelque chose. Lui peut faire 10 ans, 20 ans. Lui, dans sa tête, il dit pareille chose. N'arrivera pas. Pas parce qu'il n'a pas vu Dieu opérer dans la vie des gens. C'est parce que lui-même, comme il a un mauvais comportement, le miracle n'est pas encore opéré dans sa vie. Donc lui s'oppose en même temps à ce que l'homme de Dieu a dit. Mais quelles que soient ses oppositions, tu auras une position. Quelle que soit son opposition, tu auras une position. Dans ton travail, une position. Dans tes affaires, une position. Dans ton foyer, une position. Dans ton entreprise, une position. Dans tout ce que tu entreprends, une position. Ah, qui m'a donné amen fort, je dis, il reçoit son miracle.
Ça, c'est la partie de la vérité que les gens n'aiment pas. Ça choque, mais c'est bon. C'est pas parce que tu as fait 5 ans. Non, because you are still your pastor. Auprès du pasteur. Then you are the pastor. Que tu assistes dans la parole. That you are well rooted in the word. Quand tu prends un ami, pour marcher avec lui à l'église, go with church. Il faut le peser d'abord. Wait him. Quand tu l'appelles. When you call him. Qu'est-ce qui a été dit au qui j'étais what pas là? What I did, what was said in the service. Et commence par les ragots. All the gossip. Il faut raccrocher. Hang up. Parce que les ragots détruisent la foi. The gossip destroys faith. Lisez la Bible. Read the Bible. C'est pas parce que Jésus est ses disciples, il n'y a jamais eu de querelle. Not because Jesus c'est pas parce que Jésus est ses disciples, il n'y a jamais eu de faiblesse. No weakness. Mais la Bible a écrit ce qui est the utile. The Bible wrote ce qui what is well useful. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. There are things which are not useful. Tout est permis. Everything is allowed. Mais tout n'est pas. But not everything is ce n'est useful. Pas utile. Zacharie, Zacharia. Pendant que le peuple attendait, people, je suis convaincu d'une seule chose. Quand il est sorti, when he came out, il y avait des murmures. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses quand Dieu veut faire avec toi? Il n'est pas obligé d'associer deux personnes. Il peut toi t'appeler seul. Can call you et développer cette alliance and avec develop toi. That covenant with you. Mais il y a des personnes aussi. There are people also, comme ils ont ce qu'on appelle la diarrhée verbale. Comme ils parlent matin, midi et soir. Here, Monday, quand ils viennent dans l'église, when come to church, souvent le pasteur ne lui donne aucune prophétie. The pastor, he doesn't give mais ça ne veut prophet. Pas dire que Dieu ne l'a pas appelé. That doesn't mean God has not called ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la promesse de Dieu. That doesn't mais Dieu sait que s'il reçoit un message, if he receives a message, toute sa famille va savoir. All the family who knows. Oh, il y a des miracles quand Dieu fait. There are miracles when il God dit va. He said, go. N'en pas là. Don't talk to anybody. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a des miracles quand Jésus fait là. We have et toi là. You va. Go. N'a pas la personne. Don't take mais certains disent allez-y montrer votre main so au sacrificateur. Ça veut dire allez-y témoigner. Go mais il y a pour d'autres, il dit non, gardez. Some people keep it. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis en train d'enseigner, je parle à quelqu'un. I'm not thinking. C'est pas tout le monde que tu peux prendre pour ami. Not everyone can Zacharie lui avait la diarrhée verbale. Zacharie a je suis sûr d'une seule chose. And tu avais four. L'habitude de lui dire des choses. God used mais to comme il parlait, tu lui dis cette fois-ci là, one, pour que ton miracle vienne, for your miracle tu seras come, quoi? Muet. Il y a des gens dans l'église, people, ils ne rêvent pas. Ils ne reçoivent aucune révélation. Ils pensent que Dieu l'a oublié. Non. Mais c'est un autre système que Dieu a programmé pour te bénir. Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas un oubli. Souvent, tu peux jeûner pendant 21 un jour pour entendre la voix de Dieu, tu ne reçois rien. C'est pas parce que Dieu ne t'a pas oublié, mais c'est un autre système pour te bénir. Car le silence de Dieu n'est pas un oubli. Je connais Dieu pour supporter l'humanité. Il avait d'abord envoyé Moïse. Moïse n'a pas accompli ce que Dieu voulait. Noé est venu par le déluge. Eux tous sont venus par la force. Même Samson, qui avait l'onction de beauté de frapper, ça n'a pas changé l'humanité. Cette fois-ci, lui qui avait utilisé le feu avec Élie, la force de l'eau. Avec Noé, with Noah, ça n'a rien changé. La dernière partie, the last one, il descend maintenant comme un agneau. He came as a lamb. Il descend dans sa faiblesse. He came oh, c'est dans sa faiblesse il est plus fort. Quand Paul a dit ceci, plus je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la force de Dieu s'exprime dans ma faiblesse. Il vient comme un agneau. He came as a lamb. Il descend sur la terre. To come on this. Il porte nos péchés. He bear our et sin. Puis il va sur la croix. He went on the cross. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm talking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm talking to somebody. Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. God is able to change le course of your story. C'est qui retarde souvent la parole de Dieu what delay the word of the Lord in your life? Quand tu regardes ton compagnon, when you look at your friend, il n'a pas la même vision que toi. That have the same vision with you. Dégage-le. Move him. Et moi, c'est ce qui fait ma force. My strength. Moi, je ne perds pas mon rêve dans les. I don't waste my time. Quand il te voit, tu veux me faire un coup d'une manière. Want to do what je me mets dans une position. I put myself in a position. Je suis le léopard. Hein. I'm a léopard. Je n'attaque pas par devant. I don't attack. Moi, j'attaque pas derrière. Attaque bien. Où tu penses que en même temps il te surprend. And I surprise you. Je parle à quelqu'un. I'm not talking. Je parle à quelqu'un. I'm not talking somebody. L'œuvre de Dieu que nous faisons. The work of God. Je disais un pasteur hier. I said to a pastor yesterday. L'onction Dieu ne donne pas 100%. The 100. Dieu te donne 50%. He give you 50. Les autres 50. The other 50. C'est ton maïs. You use your mind. Je parle à quelqu'un. I'm talking. Touche quelqu'un, faut lui dire ta tête. Your head. Non, touche, fais comme ça, fais say comme ça. Your head. Fais, non, touche-toi toi-même, fais-toi. Your head. Fais comme ça, touche ta tête, use fais comme your ça. Brain. Touche-toi comme, fais comme ça. Use your brain. Fais comme ça, touche-toi toi-même. Use your brain. Touche-toi comme ça, touche. Use your brain. Ta tête. Your brain. Amen. Amen. Faut pas penser que tu as t'assois là. You sit here. Et puis les promesses vont descendre du the ciel. The promise will come down from heaven.
Tu penses que si Zacharie était à la maison, où l'ange allait descendre pour lui dire, la Bible dit qu'il était à son poste. Pendant qu'il a donné le parfum, l'ange descend. Et quand il fait le parfum, là il lui dit, ta femme Elisabeth, elle va te donner un enfant. Comment cela se fera-t-il? L'homme reste muet. Quand il sort, le peuple attend. Je sais que plusieurs commençaient à se moquer de lui. Parce qu'ils ont dit, ah, mais de toute façon les autres sont sortis. Eux ils sont sortis avec un message. Mais toi tu es comme moi, tu ne sors pas avec un message. C'est pourquoi dans la famille, il y a des enfants qu'on ne comprend pas. Dans ta génération, les gens ne pourront pas te comprendre. Parce que Dieu ne va pas fonctionner avec toi de la même manière qu'il a fonctionné avec les autres. La Bible dit à certains, il a donné la guérison. À certains, il a donné l'enseignement. À certains, il a donné le don d'interprétation. À certains, il a donné la sagesse. À certains, il a donné la prophétie. Je veux déclarer sur ta vie, le Dieu que je prêche va fonctionner d'une autre manière avec toi. Il ne va pas fonctionner comme il a fait avec Moïse. Il ne va pas fonctionner comme il a fait avec Josué. Le Dieu que je prêche va fonctionner avec toi d'une autre manière. La Bible dit Dieu a la capacité d'écrire droit sur une ligne qui est courbée. Il fait grâce à qui il veut. Où il veut. Tout dépend de lui. Quand il veut, c'est Dieu. Tu peux voir quelqu'un dans l'assemblée qui ne ressemble à rien. Et Dieu peut choisir cette personne. Dans une famille, une personne peut être méprisée. Personne ne compte sur toi. Mais en toi, Dieu a mis son espoir. En toi, Dieu a mis sa confiance. Le plus important dans les familles, souvent, c'est ceux qui sont plus rejetés qu'on ne croit pas, les petits bandits. C'est eux que Dieu choisit et puis il établit. Peut-être que tu es rejeté dans ta famille. Je prophétise après ce message. Tu seras établi dans ta génération, établi dans ton travail, établi partout. Si tu es absent, il n'y aura pas de réunion. Si tu ne décides pas, aucune décision ne sera appliquée dans ta famille. Non. Si j'étais à ta place, j'allais dire, je reçois ces paroles ce matin au nom de Jésus. Zacharie. Zacharia. Il sort silencieux. Came out. Souvent, tu peux quitter l'église. Sometimes, tu arrives à la maison. Ruto. Ceux qui n'étaient pas là au culte là. Il y a quoi? C'est bizarre. Hein? Strange, hein? Tu n'es pas obligé d'expliquer ce que you tu as dit. You don't need to explain. Il y a des choses quand Dieu vous donne. There are things when God gives vous devez faire quoi? You have to. Vous devez les garder. Close your, keep vous it. Savez ce qui a conduit Joseph dans le puits? What bring Joseph in the pit? Hein? Parle bien. Tu me regardes. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait ça? Sa bouche. His mouth. C'est ce qu'il a amené dans le puits. Brought him in the pit. Amen. Amen. Mais Dieu te montre un songe. God show you a dream. S'il n'a pas montré un pasteur. Il a dit, show you a pastor. S'il n'a pas montré un docteur. He show you a doctor. S'il n'a pas montré un apôtre. He show you a pourquoi apostle. Tu n'as pas la sagesse pour dire à Dieu? Why don't have le wisdom? Rêve que tu m'as montré. The dream you show me. Seigneur. Lord. Si tu m'as montré. If you show c'est que me. Tu as la capacité you have the ability de me donner l'interprétation. To give me interpretation. Il y a des rêves que tu peux avoir. Hein. A dream you can tu vas dire à quelqu'un. Go and tell somebody. Il peut être même pasteur. Maybe a pastor. Et s'opposer à ton songe. And oppose to set your dream. Quelqu'un commence à dire. Amen. Il peut être pasteur. Can be a pastor. Et s'opposer and oppose himself to your dream. Il peut même ton frère. Can be even your il peut même ton père. Your father. Et s'opposer à ton songe. And oppose himself to on your dream. On a vu Jacob. We saw Jacob. Avec Joseph. With Joseph. Quand Joseph lui dit. When Joseph said. J'ai vu le soleil, la lune se passer. I saw the dream. Et dit à moi, moi et ta maman va venir se poser devant before me. Mais tu rêves. Si. N'est-ce pas? Mais la Bible dit il garda le souvenir but de ces choses. He kept it to et si ce n'est pas bon, pourquoi il garde? If you don't la Bible good, dit il garda le souvenir de ces choses. Kept in your tu peux avoir un rêve. Mais comment on explique how the way peut you empêcher le rêve de s'accomplir? Stop the dream ce n'est pas tout le monde en explique son rêve. Not everyone et c'est ce qui a conduit Joseph dans le puits. Brought Joseph to mais comme c'est un rêve qui ne vient pas d'un homme. Not come from comme man. C'est un rêve qui ne vient pas de son père. Come from comme c'est un rêve qui ne vient pas de sa soeur. Come from mais comme c'est un rêve qui est divin, qui vient de Dieu. Ses frères ne pouvaient pas l'empêcher, mais ils avaient la capacité de retarder le rêve. Mais tôt ou tard, le rêve devait s'accomplir. Là où les gens t'ont retardé. En ma qualité de prophète, je libère l'onction d'accélération sur toi. Et que ton rêve coure à son accomplissement. Que ton travail coure à son accomplissement. Que la prophétie coure à son accomplissement. Que la promesse de Dieu coure à son accomplissement. Qui me donne un tonnerre, amen. Il récupère sa bénédiction. Mais quand il arrive en prison, depuis, c'est la femme de Potiphar. Potiphar il ne parle pas des rêves là-bas. Talk no, talk dream. Quand il arrive en prison, when le rêve prison, que Dieu lui montre, il garde. God gave il commence à faire quoi? Now, à interpréter le rêve des autres. Souvent, il y a des épreuves où Dieu nous envoie. They are trying c'est God pas pour nous détruire. Ça destroy, nous forge et ça nous prépare à l'avancer. Prepare you. Zacharie sort. Zacharie came out. Mathieu, il ne parle plus. He doesn't talk anymore. Amen. Amen. Quand il sort là, when he came il out, sort comment? Came out. Muet. He was dumb. Il y a des choses que vous devez comprendre. Quel que soit ce qui vous arrive, what avec you, Dieu, with God, c'est la fin qui compte. Is the end is most important.
Anne a été humiliée pendant des années. Anna was dans son propre foyer. Celle qui craignait Dieu. Celle qui priait. Celle qui jeûnait. Je vais vous dire quelque chose. Les plus grands que Dieu choisit. Ceux qui Dieu a mis l'onction. Ceux qui Dieu a mis son sceau. Ils commencent toujours la vie de manière difficile. Mais le plus important n'est pas le commencement. La Bible dit en Jean, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Cette année apparaît difficile pour toi. Mais tu ne la finiras pas comme elle a commencé. J'ai dit, tu ne vas pas la finir comme elle a commencé. Tu ne la finiras pas comme elle a commencé. Je prophétise dans ta relation sentimentale. Je prophétise dans ton foyer. Je prophétise dans ton travail. Je prophétise dans tes finances. Les gens ont voulu t'humilier pour t'amener au chômage. Mais Dieu te donnera deux boulots pour ajouter. Et après ces deux boulots, tu seras propriétaire d'entreprise. Les gens ont voulu t'humilier en te chassant de ta maison. Mais je déclare, après ce déplacement, tu seras propriétaire de ta propre maison. Je veux prophétiser ce matin. 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 Tu seras propriétaire. Tu seras propriétaire. Tu achèteras. Tu vas construire. Tu vas réaliser. Je déclare ces choses sur ta vie. Oh, suis ça à ta place. Je me lève, je dis amen. Je reçois mon miracle. La Bible dit ceci. Il dit, allez partout. Go everywhere. Annoncez la bonne nouvelle. Mais il n'a pas dit, allez, je vais payer vos billets. Mais la parole seulement. Dans la parole se trouve le transport. Dans la parole se trouve la provision. Dans la parole se trouve la royauté. Dans la parole se trouve le positionnement. Il dit, allez partout. Faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit, allez-y, je vais vous donner à manger. Il n'a pas dit, allez-y, je paierai votre transport. Il n'a pas dit, allez-y, je vous donnerai les papiers. Mais dans le aller de Dieu, dans le fatant de Dieu, il y a la promesse, il y a la provision, il y a l'accomplissement. Tu ne mourras pas si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si tu marches dans ses pas, si tu marches dans ses voies, la bénédiction t'accompagnera. Voilà pourquoi la Bible dit. La Bible n'a jamais dit, celui qui obéit à la parole de Dieu. La Bible n'a jamais dit, celui qui bénit la parole de Dieu sera béni. Mais la Bible dit, celui qui obéit à la voix de Dieu. Yes. La parole de Dieu n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est derrière la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est caché, qui est révélé. Voilà pourquoi, avec la voix de Dieu, Dieu peut prendre un enfant adultéré et le positionner roi comme Salomon. Je veux prophétiser sur ta vie. Je veux déclarer sur ta vie. À cause de la voix de Dieu, la loi t'avait condamné. Mais à cause de sa voix, tu réussiras. À cause de sa voix, tu seras guéri. À cause de sa voix, tu avanceras. La voix, the voice, de Dieu. The voice of the Lord. Zacharie était vieux. Zacharie were old. Elisabeth vieille. Elisabeth mais qu'est-ce qui les amène à croire qu'ils vont faire enfant? What brought them to believe? C'est quoi? La voix. The voice of the Lord. Ne doute jamais de la voix. Never doubt about the écoutez, voice. Écoutez, quand Dieu vous donne une vision. When God gives you a vision. Il vous donne la vision. He gives you a vision. Même s'il n'a rien dit. Sachez qu'après la vision, il y a une vallée vous rencontrer. They value dans la vallée, il y a toutes sortes d'attaques. Il y a toutes sortes de combats. Mais plus il y a le combat, ce n'est pas toi qui combats. You know, c'est la promesse que... The promise. C'est pourquoi j'aime David. As I like David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette est ton bâton. La houlette, le bâton, c'est la prophétie. La houlette, le bâton, c'est la promesse. La houlette, le bâton, c'est l'insipale de l'Éternel. Je déclare, à cause de l'insipale de Dieu, tu ne mourras pas dans la vallée. Tu ne mourras point dans ta prison. Tu ne vas pas sombrer dans le puits. Là où les gens t'ont jeté, tu reviendras. Là où les gens t'ont jeté, tu ne mourras point. L'Éternel te fera sortir de la vallée. Listen. Le bâtiment que tu vois là. You see building. Avant de construire ça. Before the building. Il y a quelqu'un qui a pensé. Somebody thought it. L'architecte il vient. The architect. Il dit bon voilà comment on va faire. This is the way to. Qu'il finit de dessiner les maçons. Le problème c'est pas les maçons. The problem is not ils the s'en foutent si les maçons ne viennent then pas. Care, mais ils dessinent ce qu'on peut faire sur le terrain. Yes. Quel est ton problème? What's your problem? Le maçon ce sont les anges que tu envoies. Dieu te demande de dessiner simplement. Dessine ta maison. Dessine ton foyer. Dessine ton mari. Dessine ton élévation. Dessine ton enfantement. Dessine. Je dis à quelqu'un comment ça. Si j'étais à ta place je me lèverais. Je vais voir. Makayan d'après. Oh. Rakaboyan d'après. Dessine. Draw it. Dis à quelqu'un dessine. You draw it. Tu as quelqu'un dessine. You draw it. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Tu veux un mari. You want to ask. Tu sais pas où il va quitter. Dessine-le. Draw it. Draw it. Dessine-le. Draw it. Comment ça va se passer? C'est pas ton problème. Yes. Dieu dit fais quoi? Dessine. Dieu fait quoi?
Dieu approuve tes voix. God approve. La Bible dit Dieu honore la parole de ses God serviteurs. Honor the word of his servant. Tu as les paroles négatives. You have a negative Est-ce word. Que je vais réussir? Am I going Est-ce to que success? Je vais avancer? Am I going to ma maman est comme ça. My mother mon papa is est ceci. My mother. Je viens de telle famille. Non, tu n'es pas venu de cette famille. Tu es de passage. Tu es un envoyé. Ton père a été limité, tu ne seras pas limité. No. Tu es un envoyé. Tu ne viens pas de la famille. Tu portes le nom de la famille, mais dans le ciel, tu es un nom que tu portes. C'est pourquoi son père l'appelle Jacob, mais Dieu l'appelle Israël. Yes! Ah! Quand on vient à l'église, when come to church, quand on reçoit la parole, when we receive a word, on ne sort pas comme on est rentré. You don't come as the way you came. Chacun a une sortie différente. Everybody has a different way. Quand le message est prêché, when message preach, le message est universel. It's universal. Mais la compréhension, but the understanding, elle est individuelle. Is individual. Donc chacun sort everybody de manière the way, différente. In a different way. Ne cherche pas à ressembler à ton ami. Don't try to look at your si Dieu l'a élevé, God raise him up, bénis Dieu pour lui. Bless the Lord for him. Dieu l'a établi. God established him. Bénis Dieu pour lui. Bless God for le plus souvent, most of the time, ceux qui échouent dans la vie, those who fail, c'est ceux qui sont envieux. Those who are envieux. Est-ce que tu sais, do you know that, qu'il y a quelque chose que Dieu ne voit pas que l'homme voit? There are things God doesn't see, man doesn't see, but God sees. Et si l'homme if man commence à ne pas voir cannot see ce que Dieu ne voit pas, what God l'homme see, sera comme Dieu. Man voilà pourquoi la Bible God dit en Psaume, that's what Bible says, vous êtes des dieux. You are God. Cependant, but vous mourrez comme des hommes. Like pourquoi? Why? Parce que vous voyez quelque chose que Dieu lui you ne voit pas. God doesn't see. Il y a quelque chose que Dieu ne voit pas que God l'homme voit. See, but man sees. De te donner le mystère. Shall I give you a mystère? Ce que Dieu ne voit pas, what Dieu ne voit pas son égal. It doesn't see his equal. Mais l'homme voit son égal. Maman toi, tu veux toujours ressembler à X. You want to look toi, like tu veux faire comme l'autre. You want to do c'est like dans la révélation qu'Élisée est rentrée. Élisée a dit à Élie, ne me donne pas l'onction que tu that as, mais je veux la toute portion. En fait, dans la toute portion se cache ce que Élie n'a jamais fait. Ou Élie a été limité. Voilà pourquoi, quand Élie est mort, son corps n'a pas ressuscité. Mais le corps d'Élisée a... Et ses os. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Don't try to look like somebody. Non, 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 non. No. Tu ne dois pas ressembler à quelqu'un, mais les gens doivent apprendre à partir de toi. Tu ne dois pas ressembler à quelqu'un. Tu ne dois pas être la photocopie de quelqu'un. Toi, tu es l'original. Les fils de Dieu sont les originaux. Je prophétise sur ta vie. Les gens doivent commencer à t'imiter. Les gens doivent commencer à t'imiter. Les gens doivent vouloir penser à devenir comme toi. Yes. Je parle à quelqu'un. I'm speaking to somebody. La photocopie n'a pas d'impact. Photocopie doesn't have an impact. Parce que l'original devant la photocopie. The original before la photocopie, photocopie disparaît. The photocopy disappears. Commence à voir. Commence à ne pas voir. See what? Ce que Dieu ne voit pas. God doesn't see. Il dit see. Je suis l'Éternel Apocalypse. I'm a Lord c'est là mon nom. Je ne vois ni mon égard sur la terre. I don't see my equal dans la mer, sur la mer, dans le ciel everywhere. Et sous le ciel. Under the heavens. Je ne vois pas son égard. I don't see my pourquoi equal. Tu veux ressembler à quelqu'un? Why do you want to look at somebody? On doit prêcher comme toi. We have to preach like on you. Doit se tisser comme toi. We have to on dress doit like s'habiller you. Comme toi. We have to do on everything. Doit marcher comme toi. Work like you. Qui a dit amen? Say amen. Dis à quelqu'un c'est la fin qui compte. Say the end is the most important. Est-ce que tu crois que Dieu? Do you believe that? Il va changer le cours de ton God will change the course of your story. Balance les mains comme ça. Wave your hand. On va tous se tenir debout. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas, même si elle tarde.